Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Polska. Grosse annonce après la suspension temporaire de son compte Instagram. Elle vient d'avoir l'information par Instagram US que son compte ne serait pas restitué. Les raisons seraient le non-respect des règles. Elle explique donc ce qui lui est arrivé en détail, mais aussi ce qu'elle compte bien faire cette fois-ci. Car c'est pas la première fois que cette situation lui arrive. Allez, je vous découvre les images. N'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire. Bonne vidéo à tous. Bon, sinon, là, on va parler très très sérieusement. Ok. Donc, pour toutes les personnes qui m'ont demandé où est mon fucking Insta, pourquoi il a disparu, alors je vais vous expliquer. Du coup, je vous explique. Donc, il y a quelques jours, je vais sur mon Instagram et ça me déconnecte et ça me dit votre compte a été désactivé. Du coup, moi, je me dis, ça sent pas bon cette histoire. Mais bon, j'ai des comptes. Instagram France, du coup je me suis dit bah ok, mais je vais les contacter et tout. Donc je les contacte et je leur demande bah what the fuck, pourquoi mon compte a été désactivé alors que j'ai rien fait. Et ils m'ont dit ah bah tranquille, t'as enfreint aucune règle, ton compte a pas été supprimé, juste désactivé, donc on va te le réactiver, t'inquiète et tout. Juste on attend lundi parce qu'on doit demander la confirmation de Instagram des States. Du coup je me suis dit bah tranquille, j'attends jusqu'à lundi et tout. Et donc là c'était le jour, le fameux jour. Et en gros donc Instagram France il devait débloquer mon compte et plusieurs autres comptes. Donc du coup les autres comptes ont été débloqués. Puis vient mon tour et en gros l'Instagram des States ils ont dit non. En gros ils ont dit elle bah on la débloque pas. Donc ok, donc j'ai demandé la raison. Et en gros Instagram des States ils ont dit qu'ils m'auraient débloqué. Mais vu que ma photo de profil c'était une photo de moi en sous-vêtements en maillot de bain, bah ils ont dit non. Donc voilà, en gros Instagram des States, ils ont refusé de me débloquer mon compte sous prétexte que sur ma photo de profil, j'étais trop dénudée parce qu'apparemment eux, ils sont contre la politique des filles qui se dénudent sur les réseaux sociaux. Sérieusement, Instagram des States, do you se foutre de ma gueule? Because really, I think you se foutre de ma gueule. Genre, clairement, quels sont vos plus grands profils féminins sur Instagram? Kylie Jenner, Kim Kardashian, etc., etc., et les milliers d'autres influenceuses qui se mettent tout. Donc voilà, clairement, aujourd'hui, ils auraient pu me débloquer mon compte, mais ils ont dit non. Voilà. En gros, si vous voulez, pour débloquer les comptes, désactiver, etc., c'est quelques personnes aux States qui font ça pour tout le monde. Donc, ils sont genre 5, une dizaine, on va dire. Et en gros, aujourd'hui, bah, je sais pas comment il s'appelait, mais James, il s'est levé du mauvais pied. Il a vu Paul. C'est le deuxième compte qu'on me tège, hein, parce qu'on m'a déjà tège mon compte à 230 000 abonnés il y a 3 mois. J'ai refait, là on m'a tège à 170K. C'est pas grave, j'ai refait un compte, je vous le mets juste après. S'il vous plaît, allez vous abonner, soutenez-moi. Et ce compte-là, s'il me tège, c'est à 1 million. C'est clair ?